Hey, salut à tous et bienvenue pour un tout nouvel épisode sur GPSK 2023 avec la France. Bon, pour tous ceux qui sont fans de l'Olympique Lyonnais, encore une défaite, hein. Je vous jure, j'en peux plus. Bon, c'était moins catastrophique que la fois dernière, mais là, c'est pas possible, quoi. On a 2 points. On va finir en Ligue 2, hein. Mais on va rejoindre Saint-Étienne. Ah, les gens, ils voulaient un derby. Ben, vous en faites pas, le derby va arriver, hein, si ça continue comme ça. Non, mais c'est pas possible, là. Et franchement, quand je vois le milieu de terrain qu'on a, Tolisso, Cherki qui n'en fout pas une, et que d'ailleurs, il y a plein de postes qui disent que il s'embrouille avec tout le monde, qu'il a pas envie de travailler, etc., etc. Mais si t'as pas envie de bosser, Cherki, tu te casses. Enfin, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Même si t'es talentueux et tout, mais si t'as pas la mentalité pour bosser, moi, j'en ai rien à battre, hein. Tu te dégages. Et notre milieu de terrain Tolisso Cacré. Bon, Alvero ça va en vrai, mais Tolisso Cacré. Cacré, mais qu'est-ce qui se passe? Depuis le Final 8, il n'y a plus rien. Enfin bon, bref, moi je suis en mode ras-le-cul. J'en ai un peu ras-le-cul, je vais pas vous mentir. L'état de l'Olympique Lyonnais me fait vraiment chier, et franchement. Je vais pas en pleurer, mais des fois j'ai envie de craquer, hein, parce que c'est dur, hein, c'est dur de soutenir un club qui est pour autant l'un des plus gros clubs français et qui est en train de mourir, comme a fait Bordeaux, comme a fait Toulouse. Toulouse il y a un temps, mais comme a fait aussi Saint-Étienne. Voilà, c'est ce qu'on va être. Alors que pourtant, on a l'un des budgets. Les joueurs sont les mieux payés. Enfin bon, bref. Quelle déception, ça m'énerve. Je suis très déçu. Et pendant ce temps, vous savez, après 15 heures, du coup, c'était la fin du match. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué à Pikmin 4. Voilà, sur la Switch. Bah, j'ai bien avancé. Donc j'ai joué 3h30. Ça m'a bien décompressé. De mon énervement, et du coup, bah, tout va bien. Voilà, maintenant je suis là. Ah oui, aussi, petit nouveau LP. À 14h, il y a eu une toute nouvelle vidéo. FIFA revient. Voilà, FIFA 24. Bon, EA Sport FC 24. Et on joue l'Olympique Lyonnais en tant que manager. Donc, si jamais vous aimez bien les jeux de football et tout, en carrière manager, n'hésitez pas. Vous pouvez regarder ce LP que je viens de juste commencer, qui sortira le mercredi, samedi et dimanche à 14h. Voilà, j'ai déjà préparé les 3 vidéos d'après. Donc, là-dessus, au moins, je suis tranquille. J'ai déjà travaillé. Bon, bref, mesdames et messieurs, la guerre. N'oubliez pas de vous abonner et mettre un like. Ouais, voilà, je le dis pas assez souvent. Et je sais que beaucoup de personnes, beaucoup de vidéastes le disent, mais il faut s'abonner et mettre un like. Et d'ailleurs, quand on le dit, les gens le font. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour ceux qui ne sont pas abonnés. Et merci. Parce que ce missile est il a touché le petit croiseur. Excellent. Du coup, pif! Ah, je l'ai perdu de vue. C'est dommage. Nous allons procéder à des tirs. Bah ouais, hein. On peut, hein. Tu peux, hein. Tu peux continuer à tirer, hein. Il n'y a pas de souci. Alors, c'est pas celui-là qu'il faut attaquer. Parce qu'il y a une base où il y a. Je crois que si, celle-là, c'est ok. Mais c'est juste la base aérienne qu'il faut pas attaquer. Pardonnez-moi, je viens de roter. Mais pourquoi ça prend 46 ans? Pourquoi ça s'envoie pas les missiles quand je dis d'envoyer? Ma batterie anti-missile, il y a un missile qui arrive là. Maintenant, on va envoyer ici. Drone. Ce qui est un peu con, c'est que je peux pas attaquer le. Je ne peux pas attaquer la base aérienne. Pourtant, elle me fait bien chier, hein, je vais pas vous mentir. C'est bon, là, ça m'a protégé du tir.
J'ai pas vu. Et pourquoi tu n'attaques pas? Et pourquoi toi tu n'attaques pas? Tu n'envoies pas de missiles? Pourtant je t'ai dit. Ouf. J'ai bien fait de faire cette manœuvre. J'allais attaquer les États-Unis. Je t'ai dit d'attaquer, hein. Bonjour. On a des petits. Là! Je t'ai dit d'attaquer ça. Mais pourquoi c'est en mode non? Pourquoi ça marche pas? Bon, les mecs. Non. Bon, mon chasseur, il veut pas attaquer. Mais putain! Mais ça n'a aucun sens! Pourquoi mon lance-missile, il veut pas attaquer? Attaque! Les lance-missiles, c'est buggé. À l'aide! Les lance-missiles, c'est buggé. Toi, détruis-moi ça. Vu que les lance-missiles ne veulent pas s'envoyer. Nous allons violer les. Ouais. Casse l'espace aérien. Là, tu envoies ou pas? Mais pourquoi tu n'envoies pas? Oh! Débilus! T'envoies ou t'envoies pas? J'ai pété un câble. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu veux pas attaquer? Pourquoi tu veux pas attaquer? Bellicisme. Bah ouais, bellicisme. Mais je fais comment? Mon débile de jeu ne marche pas. Bon, y a quoi là-dedans? Il y a des lance-missiles. Alors pour bouger, ça marche, mais pour le reste, ça marche pas. Oi, 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 oi. Ah, ce genre de choses, ça m'énerve. Ça m'énerve. Pourtant, je fais bombardement à souhait et ça ne veut pas bombarder. Toi, tu peux réagir, tu peux faire quelque chose. Est-ce que tu peux attaquer? Envoyer un missile? Non, non, il veut pas. Oh là. Aucune idée du pourquoi et du comment. Ah, il y a ma mère qui m'a envoyé des trucs. Magnifique. Attendez, faut que je lui envoie un petit message. Voilà, je lui ai envoyé un petit magnifique. En plus, elle est très jolie comme ça. Le Koweït contre nous. Ah, bah oui, bah ça, j'ai bien vu. Eh bien, messieurs, dames, on a un petit. Ah merde, excusez-moi, j'ai confondu. C'est ça qu'il faut tabasser. Allez hop. Pourquoi la batterie anti-aérienne, elle est revenue? Non mais si on peut faire n'importe quoi, moi aussi je fais n'importe quoi. Est-ce que toi, là, est-ce que tu peux attaquer ça? Le lance-missile? S'en bat les couilles! Attaque! Oh, oh là là, il vient d'attaquer! Incroyable, c'est très rare. Ce lance-missile vient d'attaquer. Alors je ne sais pas où il va, mais il s'en va. Impressionnant. Et dedans, ça donne quoi? Attendez, juste, il me faut une petite vue aérienne parce que je ne vois pas du tout ce qui se passe là. Qu'est-ce qui se passe? Bien Peut mieux que faire. votre. Peut mieux faire. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en déficit? Non, ça va.
Résolution à l'initiative, oui. Mais putain, le Koweït va me détruire mentalement à cause de mes lance-missiles. Putain, j'ai encore des. Mais détruis-moi ça, hein. Mais non, tu vas pas violer les eaux. Bon, j'ai tout un tas de trucs qui arrivent, hein, sur les côtes. Donc si jamais une petite intervention, voilà, pour bombarder un petit peu tout ce qu'il y a là, Nous allons mener une attaque. me va, eh bien on y va. Putain, mais vous vous rendez compte que à cause du fait que les lance-missiles ne marchent pas, parce que ça n'a aucun sens que ça ne marche pas, et bien du coup, c'est la merde. Bon, évidemment, ça marche pas, voilà, heureusement qu'on a le droit de veto. Oh! Oh lolo. Mais mec, vous allez fonctionner un jour? Non mais mec, tu m'envoies un putain de missile, s'il te plaît. Encore! Encore! Oh! T'attends quoi là? Je t'ai dit vas-y! Le jeu est buggé! Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec ce jeu? Mais allô! Mais tu vas lancer ton putain de missile! C'est pas compliqué, tu fais boum! Oui. Eh, j'en peux plus là. Mais j'en peux plus! Mais c'est quoi ce jeu? Ça, par contre, ça me casse les couilles, hein. J'ai pas payé un jeu pour que ça bug, hein. Donc, vous fonctionnez, hein. J'en ai rien à foutre. Toi, attaque ça. Bon, vu que tu veux rien foutre, va faire ça, là. Toi, au lieu d'y rien foutre, va faire ça. Attaque-moi ça. Voilà. J'ai plein de lance-missiles qui ne servent à rien. On se demande à quoi ils servent. Non, je vais pas faire ça parce que j'ai pas envie de toucher les Anglais. Casse-moi ça, s'il te plaît. Là. Livraison d'un sous-marin. Bon, bah, au moins, il y a une bonne nouvelle. C'est qu'on a des sous-marins. Il y en a un qui a réussi à rentrer. Alors, je sais pas comment il a fait. Ah, bah, il est passé par en bas, hein. Non mais mec, tu as quelqu'un qui est là. Pourquoi tu l'attaques pas? Oh là 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 là. Ça me dépite. Mais tu vas l'envoyer ton petit missile! Bon, si je fais lance un missile, ça fait quoi? Ah bah ça marche! Donc lancer un missile ça marche, mais bombarder, c'est cassé. Donc bombarder, c'est trop dur. Oh, ça marche. Putain, après 46 ans d'avoir appuyé sur bombarder, ça marche. Et pourquoi toi t'es là? Mais qu'est-ce que tu fous? Je t'ai pas dit d'aller là, moi. Oh là là, le jeu qui prend des initiatives qu'il faut pas prendre, mais par contre, le jeu qui veut pas fixer ses problèmes, ça par contre, non, hein. Ça, on touche à rien. Voilà, bim. On casse tout ça. Mais nique-toi, je t'ai dit que tu vas là-bas, toi. Hein? Je t'ai dit que tu vas là-bas. Donc tu vas là-bas. Toi, une bonne fois pour toutes, tu vas casser ces tanks.
Il s'en bat les couilles. Il s'en bat les couilles. Alors d'accord, maintenant il faut juste envoyer un missile. Parce que sinon ça marche pas. Je... Logique. La logique. C'est logique. Bah oui, lancer un missile. En fait, ça annule l'action. Alors on sait pas pourquoi. Pff. Ah ouais, non mais ça, ça me fait rager par contre. Hein. Mais ça sert à quoi de faire la guerre? D'avoir fait un truc de guerre, Eversim, si c'est cassé? Moi, je comprends pas, Eversim. Ça sert à rien de faire un truc de guerre si c'est cassé. Voilà. Moi, mes lance-missiles, si je peux pas... Si je peux pas les utiliser convenablement... Moi, ça sert à rien, je commande que des chasseurs, parce que au moins, les chasseurs, eux, ils ont une réflexion positive. Bon, ok, ici, c'est cassé, c'est déjà pas mal. Casse-moi ça, s'il te plaît. Bon, dedans, il y a quoi, Koweït? Dedans, il n'y a plus d'hommes. Bon, toi, maintenant, toi, va à Koweït directement, parce que là, ça, ça va m'énerver. Ah ouais, là, c'est bon. Ils m'ont énervé. Si le jeu n'est pas capable, si Eversim n'est pas capable de faire ce genre de choses, moi, je peux rien faire. Ils sont en train de saccager leur propre jeu. C'est inadmissible. Moi, ça me saoule, ça. Ah ouais, là, je suis parti pour rager. Parce que moi, j'ai misé sur mes missiles, sur mes lance-missiles. Et en fait, bah, le jeu, il est buggé. Du coup, toute ma stratégie de me baser sur les missiles... Les lance-missiles, eh bien, il ne sert strictement à rien. Donc, je l'ai bien dans les fesses. Bien dans le fessier. On va plutôt dire ça comme ça. Je l'ai bien dans le fessier. Et ça, ben, ça m'énerve. Parce que ça veut dire que toute ma stratégie que j'ai réalisée de pouvoir faire des lance-missiles ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est grave! Bon, après, j'ai super mal joué. Mais pour autant. Mais c'est pas normal. Tac. On a tout ça à casser. Non, mais toi, là, toi, tu sers plus à rien. Alors, je sais pas pourquoi bombardement, ça marche pas. Faudra m'expliquer. Moi, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. En plus, il nous envoie plein de petits trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouf. En plus, la musique va bien. Oh, et on se fait détruire. Heureusement que j'en ai mis 15 000 derrière. Aïe 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 aïe, putain, mais si les lance-missiles y marchaient, ça aurait pas fait comme ça. Allez, s'il te plaît. Je sais que je suis chiant, mais regardez, en fait, ça marche pas. Je lui dis de le faire, et il se remet en position, il n'y a rien. Vous avez vu? En laps de seconde. Il est en mode non. Il se tourne. Hein. Mais il veut pas. Pourquoi? Parce que... Vous avez vu là? Ça a duré quelques secondes. Non mais si ça sert à rien maintenant de faire ça, moi je le fais plus. Hein. Moi les lance-missiles, j'arrête. Je décommande tous mes lance-missiles. Purée, mais maintenant je mets que des bases aériennes. Les lance-missiles ne servent à rien. Voilà, c'est tout. Ils ne servent à rien. On va jamais y arriver. Hein. On va jamais y arriver. Et pourquoi toi t'es là? Oh là 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 là. Si en plus le jeu ne m'aide pas, alors là, comment voulez-vous que j'y arrive? Vas-y, j'ai envie de refaire la save. Et de mettre davantage de rafales. Hein. Parce qu'il n'y a que ça en fait. Hein. Oh, c'est foutu. Hein. Oh, c'est foutu. Hein.
Est-ce que toi ça marche si je te dis de faire ça? Mais pourquoi les lance-missiles ça marche pas? Mais c'est dingue que les lance-missiles ça ne marche pas ça. Et en plus, normalement ils doivent s'activer lorsqu'ils détectent un truc, ça ne marche pas. Les lance-missiles ne fonctionnent pas. Ils ne servent à rien. Mais vraiment, à rien. Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que dans un GPS 4, je ne puisse même pas utiliser un lance-missile. De façon correcte. Écoutez, moi, je veux pas sauvegarder. Je quitte la partie. Oui, je vais quitter la partie. Et on va mettre que des rafales. Voilà, on va être clair. On va mettre que des rafales. Parce que si moi, je peux même pas jouer mes lance-missiles, mais ça sert à rien. Mais moi, je vais mettre 200 rafales. Voilà, 200 rafales. Et je vais être tranquille. Parce que si je peux pas utiliser mes lance-missiles convenablement, moi, je détruis tous mes lance-missiles et j'achète que des rafales. Parce que c'est buggé, ça ne sert à rien, ils ne fonctionnent même pas. Et pourtant, lorsque les drones repèrent un truc et que c'est dans l'angle de tir du lance-missile, pour autant, le lance-missile ne fait rien. Il ne bouge pas, il ne fait rien, alors que normalement, ça doit réagir. Pourquoi? Ben, je sais pas. Parce que peut-être que le jeu est buggé. Ah, mais oui, mais ça, c'est sûr, en fait. C'est parce que le jeu est buggé. Non, mais c'est tout. C'est logique, hein, évidemment. C'est comme d'habitude. Les jeux, parfois, qui sont codés comme ça, eh ben on peut rien y faire. Hein. C'est cassé. Donc, j'espère impérativement que dans la mise à jour... D'ailleurs, je vais la regarder, là, juste après le record. Je vais aller regarder la mise à jour et je vais voir s'il y a la modification des lance-missiles. Parce que s'ils n'ont pas modifié les lance-missiles, moi ça ne sert à rien que je joue avec les lance-missiles. Voilà. Et d'ailleurs, petit conseil, ne jouez pas avec les lance-missiles. Parce que si c'est buggé comme moi, mais ça sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Et ce genre de choses, vous voyez, moi ça m'énerve. Parce que ce genre de choses, ça détruit un gameplay et surtout, c'est encore un bug. Encore un bug GPS 4. Encore un bug Eversim. Alors que les fois derniers, ça marchait très bien. Qu'est-ce que vous avez modifié pour que ça casse? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez modifié un truc qui est casse, qui marchait très bien? En fait, je comprends pas comment vous faites pour coder un jeu en cassant les choses qui ont bien réussi. Normalement, quand c'est bien réussi, vous n'y touchez plus. Genre, ne touchez plus à ça. Mais pour autant, vous réussissez à casser un truc qui marche. Alors ça, je ne comprends pas comment vous codez. Je ne comprends pas. Normalement, on touche pas à ce genre de choses. Mais en tout cas, moi, c'est clair. Moi, le prochaine vidéo, moi, je vais faire que des rafales. Comme ça, hop, moi, je suis tranquille. Bref, Eversim, c'est un message pour vous, ça. Hein. Parce que nous, les joueurs, on n'en peut plus des bugs. Alors c'est sympathique, hein. Moi je vous fais de la publicité, moi je récolte des clés pour pouvoir les donner à ma communauté, mais quel est l'intérêt de donner des clés à ma communauté si votre jeu ne marche même pas? Si votre jeu comporte des bugs? C'est insupportable! J'ai l'impression que vous jouez pas à votre jeu, et c'est pénible! C'est pénible! Vous avez juste à regarder mon compte Discord, mon groupe Discord sur « Tout le monde est en colère ». Vous avez juste à regarder les groupes Discord étrangers, parce que moi je suis sur un groupe Discord étranger qui est américain. Et même dans ce groupe Discord américain, tout le monde est en colère et tout le monde souhaite l'arrivée d'un concurrent. Parce que c'est trop buggé, parce qu'il y a des choses qui sont inacceptables. Et surtout pour le prix, c'est un prix hein, quand même d'acheter GPS4. C'est un prix. Donc franchement, je suis très énervé, franchement. Très très énervé, très déçu. Déjà que l'Olympique Lyonnais m'a détruit ma journée. Mais en plus GPS4 qui bug. Oh, c'est insupportable. Hein. Moi j'en peux plus de ce genre de jeu qui est toujours cassé. Je suis bien gentil de faire toujours ça. Mais à un moment donné, GPS4 ça suffit quoi. Hein? Voilà, c'est tout. Arrêtez de casser des trucs qui marchent. Simple, efficace.